toi, mon fils. Mon fils, c'est toi. Oui, papa, c'est bien moi. Tu as grandi. Oui, papa, quoi. Oh, ça fait longtemps. Ouais, papa, c'est vraiment... Oh, regarde-moi cette barbe. Papa, je fais tout ce que tu sais. Tel père, tel fils. Ouais, c'est exact, papa. Mon fils, sois le bienvenu. Merci, papa. Elle est un instant. Ouais, je suis venu avec ma famille. Hein? Donc, c'est notre femme. Venez saluer. Ma petite fille. Sois la bienvenue. Sois la bienvenue. Sois la bienvenue, Junior. Vous m'avez vraiment surpris. C'est vraiment une grande surprise. C'est comme ça que nous sommes. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. C'est comme ça que nous sommes, papa. Vraiment? Ah oui, papa. Voilà. Regarde-moi oui, cette barbe. Papa des papas. Elle a vraiment bien poussé. Oui, je retiens de toi, papa. Hey ouais. Quel père, quel fils. Tu me ressembles comme deux couteaux, hein. Hey, Dieu merci pour le festival de cette année. Oui. Ça fait combien d'années? Oui, papa. Plus de 15 ans. Ouais. Quoi? J'ai simplement décidé de rentrer. C'est bien. Venez avec les bagages. Venez, venez, venez. Mes enfants, vous êtes les bienvenus. Oh, notre femme, sois la bienvenue. J'ai dit plusieurs fois que je ne t'aime pas. Ojadike, c'est obligé de t'épouser. Je ne t'aime pas. D'ailleurs, j'ai suivi que t'es pas assez homme. Donc si tu n'as rien d'autre de plus important à me dire, s'il te plaît. Hola. Je vais te montrer pourquoi on m'appelle Ojadike. Et je vais te faire voir que je suis un homme pour m'occuper de toi. Viens là. Je vais te montrer que je suis un homme. Il était une fois, dans le royaume de Mwago, il y avait un garçon qui se nommait Ojadike. Ojadike était un grand homme, un grand chasseur, très fort, aussi fort que... avec qui est-ce que je peux le comparer? Ok, Samson le Grand, le Samson de la Bible. Il était très fort, de telle manière qu'il pouvait défier tous ses ennemis durant n'importe quelle guerre. Et à cause de toute sa force, tous les villageois du royaume avaient peur de lui. Que ce soit les jeunes filles ou les jeunes garçons, dès qu'ils le voyaient, il s'enfuyait dans la brousse à cause de son entêtement.
Maman. Papa. Maman. Qu'y a-t-il, hein? Qu'y a-t-il, ma fille? Papa, c'est Ojadike. Ojadike? Papa, il nous a attaqué sur le chemin de la brousse quand on allait chercher du foie. Ojadike? Papa, regarde mon cœur. Ojadike? Ojadike? J'espère qu'il ne t'a pas touché. Tu vois ce que je parle? Papa, il m'a violé. Ojadike? Ojadike? Tu as marché sur ma queue de lion. Tout mon corps me fait mal. Ojadike, tu as marché sur ma tête de lion. Oui, papa, la je n'ai pas de grave. Ojadike, Ojadike, où est-il? Ojadike, 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 où est cette chef de brousse? Où est-il? Viens là que je te vois. Tu as dit qu'il est rentré dans la brousse? Oui, papa, il est là. Ojadike! Ojadike! Es-tu ici pour rendre visite au grand oracle? Ou bien t'es là pour me menacer? Ojadike, pourquoi est-ce que tu as violé ma fille? Pourquoi? Que t'a-t-elle fait? Hein? Tu la harcèles tout le temps, tu es parvenu à la violer. Ojadike, dis-moi pourquoi tu as fait ça. Est-ce la raison pour laquelle t'es venu chez moi pour me menacer? Oh, je vois. Je vois que tu tiens une machette. Ok. T'en fais pas. Je vois que tu cherches la guerre. J'arrive. Je vais te chercher une cola. Je ne veux pas de ta cola. Je ne veux pas de ta stupide cola. Reviens ici et dis-moi pourquoi tu as violé ma fille. Je veux une réponse maintenant. T'es encore là. Ojadike. Dégage de chez moi. Dégage d'ici. Ojadike, cette machette n'était même pas en fait une arme. Mais Ojadike, sache que le roi entendra parler de ça. Le roi entendra parler. Ça parviendra à ses oreilles. Mazinduka. Igwe. J'ai compris ce que tu as dit. Tes plaintes ont été très bien entendues. Je vais demander qu'on aille appeler Ojadike demain pour écouter ce qu'il a à dire. Igwe. Je te remercie, mon roi. Mais mon roi, s'il te plaît, que ce soit demain. Parce que plus nous lui donnons du temps, plus on met en danger la vie de notre peuple. Quand je regarde Ojadike, ce garçon va tuer quelqu'un. Un jour, il pourrait tuer quelqu'un. S'il vous plaît, que ce soit demain. C'est ok. Je t'ai suivi. Merci, mon roi. Ojadike. Tout le temps, Ojadike. Adieze, j'ai reçu un rapport venant des gardes que chaque nuit, tu te faufiles hors de ce palais. Où est-ce que tu pars à chaque fois? Moi, Adieze, je me faufile hors de ce palais chaque nuit. Maman, tu as reçu une mauvaise information. Ce n'est pas moi. Tu es certaine? Parce que j'ai peur. Tu connais comment ce genre de rumeur se répand. Hein? Maman, je suis toujours seule. Je suis toujours dans ma hutte. Demande au service. Adieze, je ne vais demander à personne. Mais fais juste attention à toi. Tu es de la royauté. Et tu connais ce que cela signifie. Sois très prudente. Je ne vais plus me répéter. Mais, sais-tu que le père du Rema est allé se plaindre de Ojadike? Je le crois, mais il n'a rien pu faire. On aura tout vu. Désolée de vous avoir fait attendre.
On y va. Allez-y. Ok. Bon, je vais commencer ici. Le bois de chauffage est difficile à trouver de nos jours. Tu sais que je viens toujours te donner des informations sur des personnes qui sont contre toi. À cet instant où je te parle, Ichie Nduka s'est rendu au palais pour se plaindre de toi. Il a dit que j'ai battu sa stupide fille et que tu l'as même violée. Hein? Ces plaintes ont fait que le roi se retourne contre toi. Pas seulement le roi, mais aussi les autres anciens. Ils se sont ligués contre toi. Le roi a dit qu'il va te faire venir au palais pour te questionner. Tu ferais mieux de te préparer. C'est pour ça que je suis ici. Bah, maman, Balako. Pote. Tiao Gedi. À part. Tiao Tuka. Qui sont tous ces anciens qui disent toutes ces choses sur moi. Ce n'est pas de ça que nous devons parler en ce moment. Tu dois te préparer pour ce qui est en train d'arriver. Je veux connaître qui ils sont. Ojadike, quand tu vas venir au palais, tu trouveras les anciens assis. Oui, mais le souci maintenant, c'est de préparer à présent que tu as reçu la bonne information venant d'une source sûre. Ok, Ogedi, tu as bien fait. Je te suis vraiment, vraiment reconnaissant. Je voudrais que tu reviennes plus tard récupérer ton gibier. Ojadike, vous-même. Tu es un bon. Vous-même. Et connais quoi, en bon effet? Bien sûr. C'est incroyable. Il ose se dresser contre moi. C'est ce que nous verrons. J'ai été délégué par le roi. Il a dit qu'il retournera au palais maintenant. Le roi, je t'envoie chez moi. Va dire à ton roi qu'il est stupide pour ne t'avoir pas pris comme un saluer. N'importe quoi. Ojadike est devenu une terreur dans ce royaume. Et il doit être rappelé à l'ordre. Onou. Avant qu'on ait un problème. Onou. Ouanya. Et de Gwenenoa. Onou. Pourquoi est-ce que tu insultes Ojadike? Oui. Pourquoi insulter Ojadike? Quelqu'un qui a ramené beaucoup de gloire dans ce royaume. Chifogeshi, ferme-la! Que je la ferme? Ferme-la! Quoi? Comment peux-tu me demander de la fermer? Ferme ta bouche! Hein? Chifogeshi, tu es un ancien. Pourquoi tu supportes mal? Comment? Ça veut dire quoi, comment? Oh! C'est parce que Ojadike est ton ami, hein? Parce qu'Ojadike se bat pour toi. Juste parce que tu n'as pas de fils et qu'il te défend, c'est pour cela ne que tu ne vas même pas de ce côté-là. J'irai là-bas. Ne fais pas ça avec moi. Regarde, tu oses te lever, hein? Comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire que c'est dis qu'il est nuisible. C'est simple. Comment est-ce que je peux dire qu'il est nuisible? Si tu veux, lève-toi. Si tu veux, crie. Ojadike est nuisible. Igwe. Il vient de rentrer. Et il m'a dit qu'il allait appeler Ojadike. Ojadike l'a battu et l'a poussé dehors. Quoi? Hein? Oh! Igwe, c'est de ça que je parlais. Donnez-moi la permission d'aller l'appeler moi-même. Tu as ma permission. Tu peux aller avec les gardes. As-tu demandé au prince d'aller appeler Ojadike? Bien sûr, Ojadike. Avons-nous deux Ojadike dans cette communauté? Igwe, est-ce que nous parlons de Ojadike? Je me demande vraiment pourquoi tu continues à glorifier cet homme qui est devenu carrément une terreur dans notre communauté. Un nuisible. Une gêne de la pire espèce. Ouais. Une sacrée peste. Igwe Ojadike. Ça veut dire quoi? Tous ces éloges? Ojadike est-il un dieu? Hein? Pour
Pourquoi cet homme veut-il attribuer des pouvoirs spéciaux à Diadike? Est-ce parce que... Odadike, mon frère. Odadike, tu sais, laisse-moi te dire officiellement ceci. Après le festival du Fejoko, j'irai voir les parents d'Ugoshi. Je vais finalement aller payer sa dot. Et je ferai comme il se doit le mariage traditionnel. Otoko. Otoko. T'es un homme. En fait, c'est la meilleure nouvelle que j'ai suivie jusqu'à présent dans ce royaume, mon frère. Bravo. Hey, je vais te faire une promesse. Hmm? Je serai celui-là qui va te surprendre. Je vais fournir tout le gibier nécessaire pour t'occuper de tes invités. Ah, Odiadike le numéro 1. C'est moi. Odiadike le numéro 1. Le seul et l'unique Odiadike. Le plus grand chasseur de ce monde. Mon très grand ami. Tu vois pourquoi est-ce que je t'appelle, mon ami? Hein? Odiadike. Écoute, mon frère. Je vais te fournir la viande nécessaire. Merci. Je comprends maintenant que tu es un vrai ami. Go, go. Je te donnerai tout ce dont tu auras besoin. À présent, laissez-moi vous jouer la plus belle, la meilleure mélodie d'amour que vous n'avez jamais entendue. Voilà. De cette année, je ne sais pas comment ça sera. Je prie juste que... Bonsoir, Odiadike. Odiadike. Bonsoir. Ah, voilà. Comme je t'ai dit, je l'aime tellement. J'aime sa façon de marcher. J'aurais aimé qu'il vienne me faire la cour. Je serais tellement contente. Hein? Tu t'aimes Odiadike? Oui. Moi, je ne l'aime pas du tout. Cette chose est fière et il a de l'écho. C'est la raison pour laquelle je l'aime. Un homme est censé être fier. Oui, je l'aime tellement. Oh, sa façon de marcher. Ah, s'il te plaît, continue. Comme je l'ai dit, le festival de cette année, je suis tellement impatiente. J'étais chez Opina. Igwe? Igwe, je ne comprends pas ce qui se passe ici. As-tu envoyé ton fils appeler Odiadike, ce fou féticheur? Tu connais Agumiya, ton fils. Il a le sang chaud. Et s'il partait déclencher une bagarre là-bas? S'ils se mettent à bagarrer, pas de souci. C'est bien pour notre fils. N'est-il pas un homme? C'est ce que tu dis, mon roi. Tu connais qui est Odiadike? Faisait du mal. Et si le blessait, ton seul fils Igwe. Femme, est-ce que c'est juste pour ça que tu m'as arrêté? Parce que j'ai déjà été assez dérangé par mes conseillers ce soir. S'il te plaît. Mon roi. Odiadike, le cauchemar d'Amoka. La terreur d'Umoba, le plus grand guerrier de notre génération. Pourquoi est-ce que tu as choisi de tourmenter ton peuple? En fait, tu es censé le protéger et non l'inverse. Si tu continues de taper sur tout le monde de cette façon, quel est l'exemple que tu vas montrer aux plus jeunes qui veulent prendre la relève après toi? Ou alors tu penses que tu vivras éternellement? Odiadike, reviens ici. As-tu suivi le roi? Reviens! Tu es allé loin! C'est la fierté. Tu es un homme. Tu as refusé d'entraîner les jeunes hommes de notre communauté afin qu'ils deviennent forts comme toi. Ou ton souhait, c'est d'être
le plus fort. N'oublie pas, notre festival du Feijoku approche. Peut-on compter sur toi, Ojadike? Ce n'est pas ce que vous croyez. Je vous ai entendu. Et je vous promets que cela n'arrivera plus. Ono, tu n'as pas besoin de me rappeler cela. Je suis toujours en forme et assez fort, très fort même. Je suis apte à mener mon peuple à la guerre et à gagner des compétitions. Je suis l'oracle en personne. Ikui, anta luka puebene mon kinkolo. Bim, s'il te plaît, rentre tôt. Ma mère m'a demandé d'aller l'aider. Ogushi, ne t'en fais pas. Je serai très vite de retour. Hmm? Ok. Mais au cas où tu rentres et que je ne suis pas là, ton repas sera posé sur la table. Ogushi, ne t'en fais pas. Je serai de retour avant même que tu ne t'en rendes compte. Ok. Je reviens. Oui, on a dit qu'il avait un meilleur ami qui s'appelait Obina. Mmh. Obina et Ojadike étaient très proches comme amis. Mais à chaque fois qu'Obina essayait de conseiller Ojadike, Ojadike refusait d'écouter. À un tel point où Ojadike a refusé d'écouter les conseils du roi. Le roi du royaume d'Iguena Shobono. Mmh. Quand quelque chose entrait par cette oreille, elle ressortait par l'autre oreille. Il n'écoutait personne. Par contre, Obina avait une belle petite amie qui se faisait appeler Okochi. Tous les deux avaient l'intention de se marier après le festival du Feijoku.
Mais quelque chose s'est produit entre temps. Quelque chose s'est produit. Quoi? Que s'est-il passé? Je vais continuer. Permettez-moi. Obino. Obino. Qui est-ce? C'est moi. Ojadike. Ugoti, comment tu vas? Je vais bien. T'es très belle. On dirait un lever de soleil. Où est Obino? Parce qu'il vit au courant que j'y devais passer. Oh, il est sorti. Ok, je pense que je vais partir parce qu'il n'est... Il n'est pas là. Assieds-toi que je t'offre de la cola. Oh, merci. Mais rappelle-toi que l'homme de la maison n'est pas là. Donc, je dois partir. Quand il sera de retour, tu lui diras que je l'ai cherché. Ok. Ok, surtout n'oublie pas de lui dire que j'étais là. Pas de soucis. Tu veux m'épouser? Oui. Après tout ce que tu as fait à Urima? Non. Écoute, je ne voudrais pas que tu te soucies de cette fille. Il ne faut vraiment pas que tu te soucies d'elle. Elle est stupide et fière. Écoute, t'es la femme que je veux épouser. Je veux t'épouser. Dis-moi oui. Écoute, je suis trop petite pour le mariage. Je ne veux pas encore me marier. D'ailleurs, tu veux me dire que le jour où tu l'as portée, tu l'as menée dans la forêt, tu ne l'as pas touchée? Je crois que tu es très jalouse. Écoute, écoute, laisse-moi te dire quelque chose. J'en ai rien à faire de cette fille. D'ailleurs, ça me revient. Quand est-ce que tu viendras cuisiner pour moi? Parce que je suis impatient de goûter à ta cuisine. Cuisiner pour toi? En tant que ta femme ou quoi?
Oula, Oula, je voudrais... S'il te plaît, je suis entrée d'aller quelque part. Peut-être qu'on causera une autre fois. Je voudrais juste t'épouser. Oula, Oula. Oula. Ondjadike. Ondjadike. Viens me trouver ici. Ondjadike. Je croyais que tu étais mon ami. Je croyais que tu étais mon ami. De toutes les jeunes filles de ce village, c'est ce Mungushi que tu as décidé de violer. Hein? Donc tu es venu jusque chez moi pour me combattre et aboyer comme un chien. Donc tu as encore le courage de sortir toutes ces bêtises de ta bouche, Ondjadike, alors que tu es censé me supplier. Je vois. Si t'es un homme, dépose tes armes. Tu dis quoi? Et réglons avec les mains. Donc, parce que je t'appelle Ondjadike, tu penses que je suis le plus fort dans ce royaume, hein? Obina, mon fils. J'ai demandé à ma fille de te faire venir. Ce qui est arrivé n'était pas de sa faute. C'est ton meilleur ami qui l'a violée. Elle a été violée. Et tu es en colère parce qu'elle n'a pas pu dire au roi qu'Ondjadike l'a violée. C'est une femme. Et ce n'est pas facile de l'accepter devant tout le monde. Hein? Je suis sûre que tu peux comprendre. Je t'ai compris, maman. Je vais vraiment y penser. J'aimerais bien savoir. C'est terrible. Pourquoi? Je t'assure. Regarde là. Regarde. Ça dépend. Comment tu vas? Bonjour. Toujours aussi belle. Qu'est-ce que tu es rayonnante? Merci. Alors d'où viens-tu? Je viens de chez moi. Je vais aller voir des amis. Tu ne peux pas aller au palais aujourd'hui. Oh, désolée, j'ai oublié. Tu as raté beaucoup de choses. Le roi a parlé. Il a fait réunir toutes les jeunes filles de ce village et il a aussi appelé Ondjadike. Le roi a demandé à toutes les jeunes filles de ce village que celles qui ont été violées par Ondjadike lèvent la main. Personne n'était capable de lever la main. À quoi est-ce que tu t'attendais, vu qu'Ondjadike il était bel et bien là. Ok, laisse-moi te poser une question. S'il s'agissait de toi, tu allais lever la main? Je n'ai même pas pensé à ça. Tu parles comme si tu ne connaissais plus qui est Ondjadike. Ondjadike est quelqu'un de mauvais. Si tu le dénonces, il fera encore pire. Cet homme est vraiment maléfique. Démoniaque. S'il vous plaît, Ondjadike est un monstre. Je dois partir, je vous laisse. D'accord, on se voit. Ok, bye bye. Ok, bye bye, à plus tard. Bye bye, okay, bye, bye, à plus tard. Ondjadike, je savais qu'on t'accusait injustement. Je suis désolée. Comment ces filles peuvent dire que tu les as violées? Tu es au-dessus de tout ça. Ondjadike, je suis ici pour te rendre heureux. Je t'ai cherché, mais tu n'étais pas là. Je suis ici pour toi. Ondjadike, puis-je te poser une question? Oui, je t'écoute. Qui t'a envoyé? Qui m'a envoyé? Personne ne m'a envoyé. Je suis venue par moi-même. Ok, mais est-ce que t'as pas honte de toi? Ondjadike, je t'aime. Pourquoi est-ce que tu ne fais que me suivre? Parce que je t'aime. Peux-tu retirer tes mains de mon corps? Retirer tes mains de mon corps. Ondjadike, ne me fais pas ça. Je t'aime vraiment beaucoup. Ondjadike!
Oui. Ceci montre que le festival de Fejoku est proche. Oui. Tu sais, le festival de Fejoku de cette année sera un jour triste pour moi. Et j'ai entendu que les gens se préparent déjà pour ça. Pourquoi ce jour sera triste pour toi? Quand moi, ton frère, je suis là. Hey, Odadike, ce jour-là, Odadike sera vaincu. Odadike sera vaincu. Moi, personnellement, je l'affronterai. Je vais le combattre. Encore. Encore. Oh. Je te crois. Je sais de quoi tu es capable. Et je sais que tu vas le battre pendant l'épreuve finale. Mais... et si il te battait? Si je n'arrive pas à le battre, les dieux combattront avec moi. Les dieux se battront pour moi. Et je prie qu'ils se fassent battre par toi. Et je suis fatiguée de le voir menacer tout le monde. Et s'ils réussissaient quand même à gagner? C'est faux. Tape mon dos, tape mon dos. Tape mon dos, tape mon dos. Oh, t'as dit que... Hey, tu ne sais même pas ce que tu as fait. Je te crois. Tu vas gagner. Angoa. Angoa. Quel est ton problème? Mère, je suis inquiet. Je suis très inquiet. Par rapport à quoi? Cette année, le festival Ifejoku approche très très vite. Je peux l'entendre. La lune a refusé d'apparaître. Regarde toutes les ignames qui sont derrière. Nous sommes censés profiter de notre récolte. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes pour de telles choses? C'est le travail du sorcier et des anciens. Ils se chargeront de ça. Pourquoi est-ce que tu n'as pas mangé ton repas? Mère. C'est pas que j'ai peur d'Odiadike. Je n'ai pas peur d'Odiadike. Je sais ce que je dis. C'est juste que je veux pas me battre. Hein? C'est la petite chose que je t'ai demandé de faire pour moi. Tu ne veux pas le faire. Mais si c'était pour toi, je le fais. Même s'il faut mourir pour ça, je l'aurais fait. Un homme ordinaire comme on t'a dit que je demande de te battre, pour moi. Tu... Ah, Odadike. Odadike. Viole ma soeur. Ma soeur. Odadike. La violée. Ogena. Ogena, c'est bon. J'ai compris. Calme-toi. Ce que tu veux, c'est qu'on aille se battre contre Odadike. Bien, je suis d'accord. J'accepte. Le problème que j'ai avec toi, écoute, faudrait pas que quand on y sera, tu commences à m'arrêter. Parce que si on arrive là-bas, on va pas seulement battre Odadike, on va le taper, le bastonner et le tuer. J'espère que ça te convient. Ne t'arrêterai pas. Je veux que tu le battes. Que tu le tues. Encore. Et rassure-toi sur l'enterrer. Ses pieds sous terre. C'est ce que je veux que tu fasses. Attends. Tu veux que je le tue? Cela veut-il dire que quand on y sera, tu vas me laisser bagarrer tout seul? Écoute, non. Arrête de dire tu vas le tuer. Tu dois dire nous allons le tuer. Toi et moi, nous allons attraper Odadike, le battre, ensuite l'enterrer ensemble. Oh, une question. Qui tu appelles nous?
Tous les deux, toi et moi. Nous sommes nous, pas moi. Pas toi, pas moi. Nous sommes nous, toi et moi. Toi, nous sommes nous. Allons chez Odjadike. Odjadike, peu importe où tu es. Odjadike, commence à partager tes biens. Attends. Ah, tu penses que si je pouvais me battre Odjadike, je serais venu te chercher. Par où j'attraperai Odjadike? Pourquoi tu ne fais que dire nous, nous, nous? Peut-être parce que je sais que tu as un autre quelque part. C'est... C'est ce que je t'ai demandé de faire pour moi. Ne fais pas attention à Okena. Ne fais pas attention à lui. Il m'a juste demandé de l'accompagner chez toi. Et je suis venu. Mais j'ai un problème présentement. J'ai pas mangé depuis le matin. Je l'ai accompagné au cas où vous vous mettiez à bagarrer. Alors je pourrais séparer la bagarre. Et vu l'allure des choses, j'ai pas mangé depuis avant-hier. Donc je dois aller dans ma hutte manger. Quand j'aurai fini de manger mon habou, j'aurai des forces pour pouvoir revenir séparer la bagarre. Ça c'est si, tu es toujours en vie. Désolé, hein, je dois partir. Bye. Hey! Hey! Attends-moi! Attends-moi! Hey! Odjadike. Odjadike, qu'est-ce que tu fais ici, à cette heure de la nuit? Odjadike, c'est pour te montrer à quel point je suis sérieuse. Odjadike, plus vite. Tu comprendras que tu ne m'intéresses vraiment pas. Et mieux ce sera pour toi. Odjadike, pourquoi est-ce que tu me traites comme si je n'étais pas une femme? Faut dire à la personne qui t'a envoyé. Va dire à cette personne que tu ne m'as pas vu. Va-t'en chez moi. Va-t'en de chez moi. Odjadike, pourquoi? Va dire à la personne qui t'a envoyé que je ne suis pas là. Va-t'en de chez moi. Viande. Je n'ai vraiment pas faim. Obina, tu dois manger. Obim, tu dois avoir faim. Viens manger.
Bonjour, votre majesté. Adaïzé, d'où est-ce que tu viens? Je suis allée voir une amie. Où étais-tu la nuit dernière? Je n'étais nulle part la nuit dernière. Menteuse. Sale menteuse. Retourne à l'intérieur tout de suite. Ne comprends-tu pas que tu es la fille du roi? C'est comme ça que tu te pavanes dans ce village. Et tu apportes la honte dans cette famille, dans cette famille royale. Mon roi, qu'est-ce que c'est cette fois? Ne sais-tu pas que c'est notre fille unique? Pourquoi est-ce que tu lui parles de cette façon? Écoute un peu ce que tu racontes. C'est exactement de ta faute si elle est comme ça. Ada? Va de l'avant. Ada? Hein? C'est la fin qui justifie les moyens. Pas de cette façon, mon roi. Nous allons voir la fin de tout ceci. Hein? Continue de l'encourager. Chaque nuit, elle se faufile dans le palais pour aller se pavaner dans tout le village. Elle ne réalise même pas qu'elle est de sang royal. La princesse de ce royaume. Adiz, quel est ton problème? Où est-ce que tu vas toutes les nuits? En journée, tout le monde est occupé. Et c'est dans la nuit que toi tu commences tes activités. Où est-ce que tu vas toujours? Maman, je devais voir mes amis. Alors j'ai dû sortir. Adiz, ton comportement a radicalement changé. Tu n'es pas Adiz que j'ai connu. Comment peux-tu, chaque nuit, prétendre visiter tes amis? Adiz, arrête d'aller visiter tes amis dans la nuit. Tu n'es pas une sorcière. Ce n'est que les sorcières qui sortent dans la nuit. Tu n'en es pas une. Adiz, fais très très attention. Je t'ai dit toujours ça. Fais très très attention. Je ne vais plus me répéter. Tu es ici. J'espère que tu vas bien. Azuma, je ne suis pas content. Je ne suis pas du tout content. Odjadike m'a vraiment, vraiment fait mal au plus profond de mon être. Encore Odjadike? Dis-moi, qu'a fait Odjadike? Odjadike, tout en sachant très bien que je voudrais épouser Ogushi, est quand même allé jusqu'à la violer. Mon propre ami, mon propre ami. Oh, oh, waouh. Oh, oh, waouh. Obina. Au moins là, ça t'apprendra. Ça veut dire que maintenant, tu vas accepter qu'on t'a dit que soit un perturbateur. Cherche à chaque fois, tu ne faisais que le protéger. Alors, à présent, que vas-tu faire? Je t'aurais demandé d'aller te battre avec lui. Mais tous nous savons que Jajike, personne peut le défier. Je t'aurais conseillé de laisser tomber. Oublie tout ça. Ojike Waniala. Yala Kebo. Because y'a pas à poids. Dégage ici, s'il te plaît. D'accord, je m'en vais, y'a pas de problème. Mais je t'aurais prévenu. Espèce d'insensé. Je t'aurais prévenu, ne viens pas te plaindre plus tard. Idiot. Odjadike en personne. Je te salue. Le plus grand chasseur dans ce village. C'est moi. Un lion en personne. En personne. Je vois que tu es en train de sortir. Ouais. Itiokedi, je te salue. En fait, je suis en chemin pour la forêt, pour vérifier mes pièges. J'espère que tout va bien. Non, tout va bien. Je suis venu prendre la viande de pousse que tu m'as promis. Oh, je me rappelle. Ok. J'ai pas de gibier chez moi pour le moment. Je veux que tu rentres chez toi
et que t'envoies ta fille, Oula, afin qu'elle vienne chercher le gibier. Ma fille, Oula, tu veux que je l'envoie? Bien sûr. Chez toi? Pour venir prendre la viande? Ouais. Si tu le dis, c'est d'accord. Ouais, d'accord. Ojadike, si tu le dis. Vous êtes ici, les enfants. Ah, papa, comment vous allez? Nous allons bien. Hola, ma fille. Je veux que tu ailles chez Ojajike. Hein? Il a promis de me donner un gibier. Hein? Donc, va le récupérer de ma part. Hein? Mais papa, je pensais que tu sortais de là. En fait, je suis allé chez lui. Et quand je suis arrivé là-bas, il n'était pas chez lui. Forcément, je suppose qu'il est allé vérifier ses pièges. Hein? Donc je crois qu'à présent, il doit être de retour. Alors je veux que tu ailles là-bas pour qu'il te donne le gibier. Et à ton retour, je veux que tu me prépares une sauce délicieuse avec. Hein? D'accord. Dépêche-toi pour ne pas le faire attendre. Hein? Sans problème. Hola. Aller chez Ojadike toute seule, c'est très très dangereux. Tu sais quoi? Je vais t'accompagner là-bas. Urima, Ojadike et mon père sont très très proches. Il ne va rien faire. Il ne peut pas essayer. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que je pars chez lui. Hola. Hum? Vu que tu ne veux pas que je t'accompagne, vas-y toute seule, je vais rentrer chez moi. T'inquiète pas. Okay. Bye bye. Hola. Viens t'asseoir ici. Ojadike, s'il te plaît, je n'ai pas de temps maintenant. Ton père a demandé que je vienne prendre un gibier chez toi. Je sais. C'est moi qui lui ai demandé de t'envoyer. Venez prendre le gibier. Viens t'asseoir à mes côtés. Viens, viens t'asseoir ici. S'il te plaît, je n'ai pas de temps. Ok. J'ai beaucoup de gibier à l'intérieur. Il y a beaucoup de gibier à l'intérieur. Alors tu peux entrer et prendre celui de ton choix. Hola? 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 Pourquoi est-ce que tu pleures? Que t'est-il arrivé? Ne me dis pas que Ojadike t'a violé. Hola, parle-moi, s'il te plaît. Ne me dis pas que Ojadike t'a violé. Donc, à la fin de la journée, le roi du royaume de Mwago a invité Ojadike. Il a aussi invité toutes les jeunes filles de Mwago. Ono était présent. Quelques anciens étaient aussi présents. Les gardes de corps et tout le reste de la population étaient présents. Et le roi a demandé aux jeunes filles si Ojadike avait violé l'une d'entre elles. Personne n'a répondu à la question. C'était le calme total. C'est vraiment terrible. C'était vraiment terrible. Mais à la fin de la journée, je vais d'abord boire un verre. Parce qu'une histoire sans suspense rend l'histoire ennuyante. C'est vrai. Yeah. Je ne bois pas beaucoup. Je bois juste un peu. Lentement, mais sûrement. La tortue finit toujours par arriver là où elle va. Allez, papa, vas-y, raconte une histoire. Cette histoire est vraiment très intéressante. Oui. Ojadike, donc tu penses avoir gagné?
J'ai entendu tout ce qui s'est passé là-bas au palais. Mais laisse-moi te prévenir. Un jour, tu vas le payer. Je parle de ton crime. À présent, laisse-moi te prévenir. Que cela soit la première et la dernière fois que tu m'interpelles en route, m'as-tu compris? Et si tu ne dégages pas de mon chemin immédiatement, si tu ne dégages pas de mon chemin immédiatement, je vais te tuer. Ne me sous-estime pas. Et ton père est vivant. T'es prévenu. Rappelle-toi juste que le festival du Fijuku est en train d'approcher. Sache que je vais te faire face. Je vais te challenger. Et je vais gagner. Oh, garde ça en tête. Écoute-moi très bien. Je t'ai battu l'année dernière. Je vais te battre cette année. Et je te battrai dans les années à venir. Maintenant, dégage-moi, je m'en vais. Oh, je t'étrangle à mort. Dégage. Allez, va-t'en. Va-t'en. Aïe. Bim, je t'attends depuis. Ogoshi, quand tu es arrivé au palais, pourquoi tu as refusé d'admettre ou dit que Odadike t'avait violé? Bim, tu sais que je ne pouvais pas le faire. Je ne peux pas supporter cette honte. S'il te plaît, oublie tout ça. J'aurais dû le dire au roi. J'aurais dû dire au roi ce que cet idiot, ce qu'il t'a fait. Bim, oublie tout ça, s'il te plaît. Que veux-tu manger ce soir? Je n'ai pas l'appétit de manger quoi que ce soit. Bim, s'il te plaît. Je pense que tu devrais rentrer. Bim, s'il te plaît. Ogoshi, tu dois rentrer. Bim, s'il te plaît. Mina, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Ogoshi, laisse-moi pour le moment. Va retrouver ta mère. Hein? S'il te plaît. Mina. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que... Odadike. Je suis désolée par rapport à ce qui s'est passé. Je sais qu'il t'accuse inutilement. Tu viens au-dessus de tout ça. Comment est-ce que ces sales filles osent dire que tu les as violées? Alors que je suis là. Je suis ici pour toi. Tu sais quoi? Je vais te rendre heureux. Je suis ici pour te rendre heureux. Adi, qui est-ce qui t'a encore envoyé? Personne ne m'a envoyé. Je suis venue de moi-même. Je t'aime tellement. J'aime tes caresses et tout le reste. Ozadike, je veux être ta femme. Dis-moi, qui est-ce qui t'a envoyé? Personne. À présent, retire ta main de mon épaule. Personne ne m'a envoyé. Retire-la de mon épaule! Et va-t'en d'ici! Dégage de chez moi! Dégage! Va dire à ton père qu'il ne pourra pas m'atteindre. Peu importe ses ruses, il ne peut rien faire qui pourra m'atteindre. Dégage! Okay, s'il te plaît. Va-t'en! Odadike. Igwe.
Mon roi, je suis venue te parler. Vas-y, je t'écoute. Igwe, je ne suis pas contente de ce qui se passe aujourd'hui. Comment peux-tu laisser Odjadike s'en tirer aussi facilement? Alors que il a molesté et violé la plupart des filles de ce village. Tu étais présente quand j'ai demandé aux jeunes filles si elles ont eu une quelconque altercation avec Odjadike. Elles sont restées muettes, silencieuses. Est-ce qu'elles l'ont dénoncé? Non. Comment est-ce que tu veux que je pénalise un jeune homme alors que personne n'a pu prouver sa culpabilité? Mon roi, vous et moi savons bien que cet Odjadike n'est qu'un boulet. Il les a certainement menacés. Jusqu'à ce que nous l'attrapions la main dans le sac, ou jusqu'à ce qu'une fille vienne se plaindre qu'elle a été violée par Odjadike, je ne peux rien faire du tout. Hein? Les filles étaient bien présentes. Tu ne sais pas si elles sont devenues muettes ou sourdes, mais n'ont pas pu se défendre. Je remets entièrement tout entre les mains des dieux. Oui, mon fils, je suis désolé. Avant que je ne sois interrompu, je disais ceci par rapport au préparatif du festival Ifetiko. En fait, j'ai prévu de très grands prix cette année pour le festival Ifetiko. Le vainqueur sera récompensé par le terrain qui est à Iwago. Et ce n'est pas tout. Il aura le droit de choisir une fille parmi les jeunes filles présentes pour devenir sa femme. Père, c'est très bien. Parce que ça va rendre la compétition plus attrayante et intéressante. Exact. J'aurais voulu participer au festival de Fedoku cette année. Fils, si ça t'intéresse, tu es le prince, tu as ma permission. Non. Vas-y. Non. Mon roi, s'il te plaît. Biko, c'est juste le seul fils que Dieu m'a donné. Kulomo Makama, ça ne se passera pas, hein. Biko. Adaise, d'où est-ce que tu viens à cette heure de la nuit? Je me sentais mal. J'ai donc décidé d'aller prendre un peu d'air hors du palais. Sans un garde? Et si quelque chose t'est arrivé? Rien ne me serait arrivé. Je peux prendre soin de moi. Mwagukwen! Yeah. Mwono! Yeah. Zwano! Yeah. Kwezwono! Aujourd'hui, nous sommes encore rassemblés pour célébrer notre festival Ifejoko. C'est toujours à cette période de l'année que nous nous rassemblons pour célébrer ce festival. En tant que roi d'Omwago, avec tout le pouvoir qui m'a été confié, je déclare ouvert cette année le festival d'Ifejoko. Festival commence.
Le festival du Feijoku de cette année-là était rude. Danse culturelle. Beaucoup d'activités culturelles se sont passées ce jour. Mais le plus important de tous était la compétition de lutte. Le groupe Tobina était à droite, pendant que le groupe de Doja Dike était à gauche. Le combat a commencé. Celui-ci renversera l'autre sol et l'autre la jettera l'autre sol. Mais à la fin de la journée, il ne restait plus que Doja Dike et Obina. Les deux sont venus se mettre au centre de l'arène. Le combat a commencé. Gigidigidi, 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 gigidigidi. Obina a renversé Doja Dike. C'était comme un grand miracle. Grand peuple de Mwago, le festival du Feijoku de cette année a été le meilleur festival jusqu'à présent. Et il nous a démontré que rien ne dure éternellement. Doja Dike a été le champion de cette arène pendant 7 années successives. Mais aujourd'hui, nous avons un nouveau champion. Obina, allez, avance. Igwe. Je vous ai fait la promesse que j'allais offrir un prix spécial au vainqueur cette année au festival Ifejoko, à l'issue de la compétition. Ainsi donc, le champion aura
le choix de prendre une femme parmi toutes ces jeunes filles. Je vais aussi lui donner le terrain à Iwago. Obina, tu as le droit d'aller choisir n'importe quelle fille parmi elles comme femme. Ikwe, j'ai fait mon choix. En tant que roi du royaume d'Omwago, je bénis cette belle union. Vous allez donner naissance à Oneke. Vous allez accoucher Inolie, Afo et Omkwa. Un grand miracle. Des ovations partout. Les gens criaient. Les gens sautaient de joie. Obina, hé, hey. Obina, oh. Obina, oh, oh, Obina, oh. Je vais boire un verre. Papa, j'ai une question. Cet igname, où est-ce qu'ils l'ont pris? L'igname. L'igname est le tubercule le plus cultivé dans le monde entier. La plus grande culture chez les Ibo. C'est pourquoi il s'appelle Ezeti, ce qui signifie le roi des ignames. Ezeti. Parce qu'aucun autre tubercule ne surpasse l'igname. Et c'est pour ça que nous utilisons l'igname pendant le festival de l'igname appelé Ifejoko. Mais avant que je continue, je vais boire un verre. Ifejoko. Ah, Odiago,